pour la veuve, pour ses enfants, pour ses frères, pour tout le monde. On ne peut pas se poser des questions, Seigneur, pourquoi tu l'as fait? Seigneur, pourquoi tu l'as permis? Pourquoi en ce temps-ci, nous avons besoin de lui? Seigneur, comme beaucoup de femmes, souvent pleurent, ça fait deux ans qu'il a été. Quand Dieu décide de prendre quelqu'un, il le décide et il le fait. Mais ici, nous rendons gloire à Dieu qui a permis que dans ces temps de carrière après, que Dieu décide de rappeler à lui son serviteur qui l'a servi de tout cœur. Je connais cet homme, un homme généreux, un homme plein de foi, un homme bon, un homme serviable, un homme qui craignait Dieu de tout son cœur. Un homme qui aimait le pécheur, mais qui haïssait le péché. Un homme extraordinaire, Charles-Élise. Est-ce que quelqu'un peut rendre hommage à la mémoire de cet homme en acclamant ses deux enfants? C'est bizarre de dire toujours les bonnes choses quand quelqu'un meurt. C'est pour cela que je pense toujours qu'il est bon de dire des bonnes choses. Quand quelqu'un est en vie, de lui dire comment vous l'aimez, de lui dire toutes les bonnes choses qu'il entend de ses oreilles, parce que là, il n'entend pas tout ce que j'ai dit. Mais je voudrais dire à la famille ici présente, à ses enfants, à ses fidèles, à ses amis, nous voulons dire que nous venons de perdre un homme extraordinaire. Nous venons de perdre un homme généreux. Nous venons de perdre un serviteur digne d'être appelé serviteur de Dieu. Et nous voulons dire à Dieu, soit toute la gloire. Donnons gloire à Dieu par les informations. Sa flèche s'est arrêtée. Son âme ne pourra plus lancer ses flèches. Pendant toute sa carrière, il a lancé des flèches, des lances pour gagner les âmes. Donc ça c'est la vie de pleurer quand ça lui est mort. Il a dit, c'est arrêté. La flèche ne pourra plus aller. À travers ses prédications, il en a gagné les âmes. À travers ses enseignements, il en a gagné les âmes. Les disciples, comme disait le modérateur, il est mort, mais il y a encore des petits chats. Il y a encore des petits chats. Des gens qui parleront comme lui. Des gens qui prêcheront comme lui. Des gens qui seront ses disciples et qui prouveront que cet homme n'a pas fait un voyage inutile sur la terre des hommes, mais il a laissé des empreintes. Et les empreintes sont réelles et sont vivantes. Est-ce que nous pouvons tous ensemble saluer le travail abattu par cet homme par une ovation solennelle? Ceux qui sont assis pour m'aider à jouer de l'éternel, à ovationner la mémoire, le grand travail abattu par ces hommes, des âmes gagnées, des églises bâties, des serviteurs qui sont sortis de son ministère. Aidez-moi à saluer la mémoire de cet héros de la foi, ce champion de la foi. Acclamez s'il vous plaît. Merci, François. Aujourd'hui, c'est son tour. Et demain, sera probablement ton tour ou le mien. Et la question est que, la question qui se pose, comment vas-tu affronter cela le jour où ça viendra pour toi? C'est bien découvert dans le Seigneur. Et on meurt dans la paix. On meurt dans la joie. Les enfants de Dieu meurent. Même en chantant. Les enfants de Dieu meurent en priant. Et ceux qui n'ont pas Jésus, quand ils meurent, quand à moi si on a, nos croyants, la monnaie de nous devons nous préparer. Quand nous étions très jeunes, il y a peut-être 40 ans, il y avait des affiches. Comment passe, où vas-tu passer ton éternité? Où vas-tu passer ton éternité? Je pense que c'est une question d'actualité encore de nos jours. Nous sommes censés ça pour honorer la mémoire du patriarche. Et nous sommes convaincus
avec tout ce que Dieu a fait avec lui, cet homme est dans la gloire de Dieu. Et nous, la restons. Où allons-nous passer notre temps? Sommes-nous prêts aujourd'hui à passer notre éternité avec le Seigneur? Chaque mort nous interpelle. Chaque mort nous amène à poser des questions. Aujourd'hui, c'est lui qui est nécessaire. Suis-je prêt? Pour la vie, à un signal de vie, à la voix d'un accord. Et mort en Christ, ressuscité. Et ensuite, les vivants iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce jour-là, à un signal de vie, à la voix d'un accord. Le patriarche, Charles, ressuscitera. Il a la rencontre des sorciers dans les airs. Et c'est ce que je souhaite pour chacun de nous. Je ne vais pas vous prendre de temps, de petites exhortations où nous voulons ensemble rendre au mariage. Avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, beaucoup de considération pour ces hommes combattants de la foi, pour ces héros de la foi qui a rendu de l'homme sa vie à la qui a servi son Dieu pendant 37 ans. Et je voulais vous dire que Charles-Élis n'est pas mort. Charles-Élis dort. Et il dort entre les mains de son maître. Il dort entre les mains de son créateur. Au moment venu, son créateur va se réveiller. Réveille-toi, Charles. Réveille-toi. Réveille-toi. Et il se réveillera. Et il ira à la rencontre de son maître. Dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu fortifie la famille, les enfants, les frères et sœurs, que Dieu soutienne l'Église qui est restée, que cette Église vive dans la paix, pas dans la guerre, pas dans les rivalités, pas dans la course au pouvoir, pas dans les querelles. Mais nous voulons honorer la mémoire de cet homme en gardant cette Église qui a laissé dans la paix, dans l'unité, dans la cohésion pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, on va prier. Les enfants du pas sur les pas, c'est une recommandation que je vous donne. Le Père n'est plus, et le Dieu de votre Père est là. Le Père a fait son travail. Il a formé, et je suis sûr que tous ceux qui ont été formés vont poursuivre ce travail. Ne vous battez pas, ne vous querellez pas, ne vous discutez pas pour des postes. Qui va faire, qui va faire, qui va faire? Ne déshonorez pas sa mémoire par des rivalités de querelle. Honorez sa mémoire. Nous ne voulons pas commencer à descendre là-bas pour aller trancher les problèmes, comme nous voyons dans beaucoup d'églises. Et nous voulons venir de temps en temps dire qu'il n'est pas seul. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là pour vous dire que vous n'êtes pas orphelin. Il a laissé des frères, il a laissé des sœurs. Biologique et spirituelle, nous serons là pour vous accompagner. J'attends ceux qui sont assis pour qu'ils se lèvent et que nous prions ensemble. Et je demande en même temps aux enfants de s'approcher, aux enfants du patriarche. Nous savons tous que son épouse n'est pas venue. Mais ses enfants, sont là. Il m'a été demandé de prier pour les enfants de la famille. C'est pas parce que je n'ai pas ma famille. Je voudrais vous encourager, chers enfants. Vous avez perdu votre père. Comme
j'ai perdu mon père, j'étais pasteur, j'avais 36 ans. Et j'ai vécu une année pour me remettre. Et que le consolateur, qui a des mots appropriés pour vous consoler, qui les consolent. Que Dieu, qui sait consoler le cœur, puisse se consoler. Votre Père fut content de Dieu. Et j'espère que parmi vous, Dieu est suscitera, ou a déjà suscité, ceux qui pourront marcher sur la place. Votre Père, tendez vos deux mains, je vais prier pour vous. Moi, tu es le Dieu de ton frère. Tu es le Dieu de l'homme et le Dieu de ton frère. Je prie, Seigneur, pour ces enfants. Et probablement d'autres ne sont pas venus, peut-être ils sont restés. Je prie pour eux tous. C'est toi notre consolation. Quelquefois, nous les humains, les mots nous manquent pour consoler. Et quand toi tu consoles, tu guéris même les blessures intérieures. Donne-leur la paix. Que la paix qui surpasse cette intelligence garde leur cœur. De leur pensée en Jésus. Et la joie céleste inonde le cœur. Os, dans leur la force de surmonter ces épreuves. Soutiens-les, fortifie-les, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus, reçois la faveur, recevez la grâce. Recevez la paix au nom de Jésus et que toute la salle dise après moi. Amen. Amen. Courage, Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, s'il vous plaît. Et nous pouvons nous asseoir avec tous les respects. À présent, nous passons. Nous appelons les papas André Demere pour nous lire la biographie du ministre d'histoire. Le révérend pasteur Charles Messie Tembo, le patriarche, il est né un certain 30 juillet 1953 à Mbien, dans le territoire de Koutou, collectivité de Batéré, dans la province de Maïndomé, en République démocratique du Congo. Il est fils de papa Charles Lessie Tembo. Comme vous le voyez très bien, il a pris exactement le nom de son papa.
Je disais donc qu'il est fils de papa Charles Lessimo-Kego et de maman Thérèse Adélimi. Tous les deux sont décédés. Troisième d'une famille de 11 enfants, dont 4 garçons et 7 filles. Charles Lessimo est l'aîné de garçons. Il était marié à maman Chantal Guamon. De leur union conjugale naquirent 10 enfants, dont 4 garçons et 6 filles. Il meurt et laisse au total 10 petits-fils. De ses études, études primaires, il les a débuté à l'école primaire de Bien de 60 à 66. Il obtient son certificat d'études primaires. Et pour les humanités, en 67, il fréquente le petit séminaire de Bobo. Puis, il poursuit ses études au collège Saint-Paul, aujourd'hui Institut Kivuvu à Bandundouville, où il décroche son diplôme d'État en 1972. Il s'inscrit à l'université de Lubumbashi, à la faculté des sciences politiques et administratives, où en 1977, il décrochera son diplôme de licence. De sa vie professionnelle, c'est un véritable homme d'État. Il a commencé comme fonctionnaire au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Après un stage professionnel en Israël, il rentra au pays et appelé à assumer les fonctions des conseillers en charge de renseignement à l'ancienne AND. Aujourd'hui, on parle de ANR, Agence française de renseignement. Brillant dans sa carrière, dans sa façon de faire, il attira l'attention de ses chefs et fut nommé conseiller principal à la présidence de la République. Cela, sa carrière professionnelle. Appelé par le Seigneur pour le servir, là j'entre dans sa vie pastorale. Charles Lessimo démissionne de ses fonctions de conseiller principal à la présidence, une fonction du reste très rémunératrice. Mais à cause du Seigneur, il déposa sa démission pour se consacrer entièrement à l'Église. Et soit dit en passant que son ami Pierre Campou, je ne sais pas s'il est là, nous dira que quand il est venu lui annoncer cela, que je dépose ma démission, une question lui avait été posée. As-tu bien réfléchi? Tu as des enfants qui doivent étudier, qui doivent être nourris. Tu occupes une bonne fonction et tu décides de démissionner. Comment mangeras-tu? Comment vivras-tu après? Il lui dira, je ne demande pas ton avis. J'ai écouté le Seigneur, il m'a appelé et il m'a demandé de démissionner. Tout ce que je veux faire, c'est lui obéir. Point près. Et ses débuts de la vie comme berger avaient commencé d'abord au quartier Bouffe, qui connaissent ma tête.
J'avais commencé vers les années 82 quand j'étais gouffre, puis plutôt au quartier Mandina. Puis il est allé au quartier Moufou. Et enfin, pour faire bref, enfin, sur la première rue du Tibogo, là où est situé actuellement le siège du ministère sur le palais de Jésus-Christ. Je voudrais donc dire, pour ce qui est de sa vie pastorale, il a accompli 37 ans, jour pour jour, consacré à l'œuvre de Dieu. Et de son ministère sont sortis, comme l'ont dit plusieurs hommes de Dieu ici, plusieurs petits Charles. Il a formé beaucoup de gens dans ses enseignements. Beaucoup sont sortis, ils sont allés aussi former d'autres. Et comme l'a si bien dit l'archidiacre, que tous ceux qui sont sortis de Saint de Charles Lessie ne devront pas marcher sur sa consécration, mais plutôt pérenniser son œuvre. Voilà, homme de Dieu, le peu de mots. On aurait dit beaucoup de choses sur lui, mais coincé par le temps, comme je l'avais dit, nous allons nous arrêter là. Il est donc décédé le 8 mars 2021 à l'hôpital Bichat. 15 rue Louis Pasteur, Valérie Adou, 64 visite Paris en France. Je suis venu de mon coupe de maladie. Merci que Dieu vous bénisse. De Jésus-Christ, le président du comité d'organisation, Papa Marius Loukou, pour nos raisons funèbres. Un homme plein d'esprit de partage.
Il fut un homme affable. Il n'était pas égoïste. Un homme qui a saisi le moment M pour servir Dieu avec sa famille, comme la Bible nous le recommande. Derrière lui, toute la famille, serviteurs et servantes de Dieu. Les enfants, serviteurs, servantes de Dieu et chantent. Sur les pas de Jésus, vous venez de perdre un papa qui avait un père, un papa d'assemblée, un papa d'amour, l'homme plein de persévérance. Les 6 mars 2021, Charles va donner la ligne droite de la reconstruction de son église, de son ministère. Étant parmi les cofondateurs du mouvement de l'éveil spirituel pour les églises de l'éveil en 1982, il faisait son évangile comme l'indique le nom de son église, sur les pas de Jésus. Doucement. Il a commencé son évangile à pied. Il avait comme mission de la part de l'Éternel de gagner d'abord les âmes. Il le faisait maison par maison au quartier Moussibira, à Matete, là où il a grandi. Et donc, il croyait qu'il a perdu le sens de la vie, mais il était appelé par Dieu. Il était vraiment appelé par Dieu, un homme plein d'intégrité morale, avec une spiritualité à outrance. Par la mission de gagner les âmes, il a fait. Même dans l'église, il enseignait. Même dans son bureau de travail, au lycée d'agriculture, il le faisait. Un homme très généreux, qui pouvait croire que Charles qui donnait les dernières directives à son église le 6 mars. Pour dire que tous les enfants puissent percer, revenir à l'église. Moi, j'arrive au mois de juillet pour reconstruire toute la communauté sur les pas de Jésus avec les églises sœurs par l'organisation d'un super projet de méga Salela Tango 3. Cet homme disait de la part de l'Éternel, et l'Éternel accomplissait sa volonté. Il y a cela, pas plus de 6 ans, au terrain Cicitrin, au quartier Fiaza, à Matete, il organisait une grande campagne, ça de la Tango 1. Alors, les jours ne faisaient que se reporter. Quand il voulait commencer, on dit non, on est en train de pleurer les gens. Il y a 8 cadavres, il y a 5 depuis mon tête. Alors, il a tenu parole. Il dit, Dieu, toi qui m'as choisi, ce pays ne doit pas continuer à pleurer les gens comme ça. Il a déclaré au nom de l'Éternel que ce site que nous pleurons les gens aujourd'hui sera converti en un centre commercial. Et pas plus de 5 mois, la Braliment a récupéré ce titre et ce titre est devenu un centre d'affaires, un centre commercial. Au lieu de plaider les gens, c'était maintenant l'emploi pour les gens et la fierté pour toute la nation. Charles Monquet, nous plairons aujourd'hui. Cher homme de Dieu,
qui est servante de Dieu, cher fidèle, c'était un homme plein de valeurs intrinsèques noires. Un homme intègre. Il ne voulait pas la souffrance passer devant lui. Il y a 4 ans, je l'ai emmené en Europe pour se faire soigner. Par la bénédiction de la famille, il me dit, champion, moi je lui dis, grand frère, il me dit, petit frère pauvre. C'est comme ça qu'il l'appelait. Les gens qui lui étaient favorables. Champion, il dit, je resterai champion jusqu'à la mort. Car pendant mon accident, c'est lui qui va prophétiser. Tu ne mourras jamais. Parce que j'avais tous les deux pieds, les deux jambes brisées, les deux mains brisées, les deux yeux brisés. Mais il a demandé au médecin d'amener cet homme au scanner. Et cet homme vivra. Et l'homme, c'est moi. Vous me voyez tenir des mots comme ça avec vous. C'est grâce à ses prières. Et il a fait ses prières en présence de sa charmante épouse, Chantal Dessis, et de son frère biologique, direct, Roger Dessis. À Maman Yemo, il a déclaré, tu ne seras pas mort. Et les frères de toute la prise en charge concernant les soins seront payés par Jésus-Christ. Et c'est ce qui a été fait. Amen. Un homme qui disait une chose, et la chose s'accomplissait. Charles Messie marchait dans l'intégrité avec la crainte formelle de l'Éternel. Un homme qui passait sur les 24 heures de la journée, 20 heures dans la lecture de la Bible, pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Gagner les âmes, former et enseigner. Il a légué ses pouvoirs au ministère sur les pas de Jésus. Dans les livres de Timothée, 1 Timothée, à partir du verset 4 jusqu'au verset 12, c'est là son testament spirituel qu'il a laissé au ministère sur les pas de Dieu. Charles, qui attendait qu'on puisse aller le visiter à Paris, a tremblé et de revenir au mois de juillet. Hélas, c'est Dieu qui donne. Il me disait chaque fois que si vous voulez aller loin dans la vie, marchez toujours avec le Saint-Esprit et avoir la crainte de l'Éternel. En ces jours, je dirais, Charles Messi, tu es mort, mais tu n'es pas mort. Car tes œuvres te suivront et tes œuvres parlent. Repose, patriarche Charles Messi Mokembo, dans la félicité éternelle. Tu nous vois, mais nous ne te voyons plus. Tu nous parleras, mais nous ne t'écouterons plus. Mais tu nous attends dans la grande nuée de réception, dans la rencontre des champions dans le Christ. Et le jour viendra, on va célébrer la gloire de l'Éternel
Papa Charles, que ton âme repose en paix. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup. À présent, parce que notre papa, le patriarche Charles Lessie, était un homme qui aimait plus la louange. Et nous laissons aux musiciens de l'orchestre sur les pas de Jésus d'agrémenter pendant au moins, donc au moins deux à trois chansons pour la joie, parce que nous avions dit que c'est une journée de joie par rapport à l'œuvre de l'homme de Dieu. Ministère sur les bas, les chansons de l'événement de papa. Et dans la lanzante, les mains de la. S'il vous plaît, tu vas danser là où tu es. Mais t'approche pas ici, il y a des autorités devant nous. Il y a nos papas devant nous. Danser là où tu es pour le respect. C'est un programme officiel où nous devons respecter les gens. S'il vous plaît, rapidement. Bandego, Papa Charles, Assane qui va vous interpeller. Nous avons commencé, quelques cantiques. Assane, ma foi, vous allez gagner. Un papa d'amour, Papa et mon amour. Gaïa, nous allons dans l'union. Assane, Ava, il faut savoir comment gagner, qui est le ministère, Naïe. Soyez à salut, la tribu d'Aoyo. Yahweh.
Merci pour sa vie, Seigneur. Louange à la
de Mokanga, en Zambi, Zemboyo, Zembushini, il y a le patriarche, Charles. Oh,
Merci. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir avec tout le respect. À présent, nous appelons l'évangéliste Gustave Lessi pour un témoignage. Shalom. 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 Hey Yahweh. Hey Yahweh. Chers amis, vous comprenez avec moi que la grandeur de cet homme, de ce mandat qui vient de tomber, ne nous permet pas de nous étaler sur sa personne. Vous comprenez avec moi que c'est strictement impossible. Mais nous pourrions ajouter deux petits mots sur ce qui vient d'être dit ici. Au nom de ma famille, je dois ajouter deux petits mots sur ce qu'était ce temps, ce grand mandat, ce commandant de la foi qui vient de tomber à ma main. Il vient certainement de tomber à ma main, cet homme de foi. Je dois ajouter un aspect, c'était un grand chant de l'éternel. Oh my God, oh my God, oh my God. C'était un grand chant de l'éternel. Quand nous étions là pour chanter Bongangananzambe, c'était l'une des dimensions de ce grand moment. Alléluia. Alléluia. Il y a maintenant. Il y a Caro. Métensia. Grand frère propre. Pas de compromis avec le péché. La crainte de Dieu seul. Et il dit, champion, dis-moi la vérité. Tu veux que je prenne pour toi? Dis-moi la vérité. Aussi, le patriarche dira, fais-toi un nom. Positivement, et cela dans la crainte de Dieu. Fais-toi un nom dans la crainte de Dieu. Faisons les choses proprement pour la gloire de Dieu d'abord. D'abord pour la gloire de Dieu. Tout ici banni des ténèbres. Et je crois que tous ces conseils ont fait de ce que nous sommes. Ont fait de cette famille ce qu'elle est aujourd'hui. Suivez, chers amis, ce monsieur, ce grand homme, ce papa, ce grand frère était une étoile qu'il naquit dans son bien natal. Oh my God! Quand cette étoile naquit dans son bien natal, nous on ne savait pas qu'il nous enseignerait sur suivez l'étoile. Et tous nous sommes derrière cette étoile. Si l'on peut prêcher, si l'on peut être comme nous sommes, si l'on peut acclamer Dieu pour tout cela, c'est parce que nous nous sommes rangés derrière cette étoile qui vient de s'éteindre. Chers amis, je voudrais ajouter quelque chose. Nous ne pouvons rien dire de plus sur cet homme.
si ce n'est que glorifier Dieu de ce qu'il a fait dans la vie de ce grand homme qui vient de tomber en mon amen. S'il vous plaît, chers amis, chers invités, les hommes de Dieu, les servants éternels, je vous prie, au nom de ma famille en ce lieu, que nous nous levions tout petit peu pour frénétiquement ovationner l'entrée dans la félicité éternelle de ces grands hommes de Dieu. Est-ce que l'assistance peut se lever et ovationner frénétiquement? J'ai dit bien frénétiquement. Non. Moi, je ne sens rien. Est-ce que l'on peut frénétiquement pousser les cris de joie pour la félicité éternelle de ce grand homme de Dieu? De ce grand homme de Dieu? De ce moment qui vient de tomber? Amen. Le baobab de l'évangile du Christ est tombé à la main. Yaya, nous t'attendions à l'aéroport pour te donner des acclamations et nous faire le rapport du voyage évangélique que tu as opéré. Tu n'es plus rentré dans cet état. Tu es dans l'état où nous sommes ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la vie de ce grand homme? De ce grand homme? De ce grand homme? Alléluia! Merci! Merci, chers amis, merci! Merci, les gens, les servants de l'éternel, merci d'avoir honoré ce monsieur, ce grand homme. Il le mérite. Il le mérite. Et nous vous disons sincèrement merci. Sincèrement, merci. Nous avons beaucoup de témoignages, mais on ne peut pas le faire. Nous vous promettons de coucher cela par écrit, afin de le publier, que tous puissent le lire tranquillement dans ce retour. J'ai dit, je vous remercie. Est-ce qu'on peut réclamer l'éternel très fort? Amen. À présent, nous appelons les fils aînés du patriarche Charles Lévesque, notre enfant Abou, pour un mot de la famille comme cela et des petits. Chers invités, bonjour. C'est avec beaucoup d'émotion et de joie en même temps. Je parle pour les fils et les filles de ces grands hommes de Dieu, le patriarche Charles Lévesque. Papa nous a appris à servir le Seigneur. C'est vrai, il n'est plus, mais c'est ça qu'il nous a laissé. Il m'a dit, prophète David, sois l'ami du Saint-Esprit. Et c'est avec ça que tu vas réussir. Moi et mes frères, mes soeurs, nous servons le Seigneur. Sur le bas, agenouillé, mal caché, nous sommes un. Et je crois que nous allons faire de grandes choses. Nous allons faire de plus grandes choses par la puissance du Saint-Esprit, par l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Papa m'a dit un jour, au fait, la sémence de Dieu ne meurt jamais. Et nous avons la sémence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous savons que dans cette famille, Dieu a fait grâce et à des éminents hommes de Dieu qui sont nés dans cette famille. Et nous ne voulons pas passer comme ça sans vous présenter
les éminents hommes de Dieu qui ont été aussi élevés par notre patriarche Charles Lys, parce que depuis la mort de leur papa, c'est le patriarche Charles Lys qui a pris cette place de papa. Et c'est lui qui a fait que tous ses frères et sœurs aujourd'hui deviennent des hommes de Dieu puissants et capables dans cette ville, dans la République démocratique du Congo en général et dans le monde entier. Raison pour laquelle nous vous présentons tour à tour. D'abord, la servante de Dieu, une femme très forte, maman, apôtre maman Rose Lesi de la main cachée, sous vos applaudissements. C'est elle la visionnaire et représentante légale de l'église La Manne Cachée. Est-ce que pas la manne cachée, vous allez avoir il y a un autre, un grand baoba aussi, le pasteur Roger Lys, à qui nous demandons avec tout le respect de s'élever sous vos applaudissements. Il est de l'église, la révélation tabernacle. Est-ce que pas la tabernacle de nos alliés, hein? C'est le révérend pasteur Roger Lys. Merci, révérend. Après lui, nous avons encore un grand homme de Dieu connu de tous, qu'on appelle Dieu. Et parce que l'église de l'église marche de nouvelles, à qui nous demandons de se mettre sous vos applaudissements. Les grands. Merci beaucoup. Évêque de l'église. Merci. Il est de l'église H de Noé. Est-ce que voilà H de Noé, mon Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci. Nous avons aussi l'évangéliste Jean-Marie Lesse, lui, œuvre à Paris depuis longtemps, à qui nous demandons de s'élever sous vos applaudissements. L'évangéliste Jimmy Lesi, président en France à Paris. Et aussi, nous n'avons pas oublié celui qui est passé devant nous pour témoigner, l'évangéliste Gustave Lesi, à qui nous demandons de s'élever sous vos applaudissements. Voici bien aimé, c'est pour dire que les patriarches, les baobas, les champions, Charles Lys a commencé par Jérusalem. Ses frères, ses sœurs, il les a amenés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont, dans leur ministère. Et ils font la fierté de leur grand frère, qui est devenu aujourd'hui leur papa. À présent, sans plus tarder, nous appelons l'évangéliste Jimmy Lys pour un membre de la famille. Et pendant qu'il s'approche, nous acclamons très très fort. Au nom de l'ignorance et ses enfants,
bénis les signes. Je parle en mon nom ainsi qu'au nom des enfants. Et je veux parler aussi au nom de notre cadette, partie Arlette et nos saisons. Mes amis, Charles Lessie était mon père. J'ai perdu mon papa lorsque j'avais que 6 ans. Donc, quasiment, je n'avais aucun souvenir de mon père Charles Kepole. C'est mon agenda. Mais c'est Charles qui m'a élevé. C'est Charles qui m'a appris à me tenir debout et à rester la tête haute. Quel que soit le problème, quel que soit le problème. Charles m'a appris à prendre soin de nos aînés. Charles, il avait des principes simples. Il me disait toujours, crois que Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Je sais qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont ramené leur famille au Seigneur, mais rarement comme celui-ci a fait. Il a ramené toute ma famille, nos enfants, nièces, cousins, cousines, même nos beaux-fils, nos belles-filles. Tous sont venus au Seigneur par ces saints hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Je veux vous dire un grand merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Un grand merci. David, le garçon aîné, parce qu'il y a aussi la fille aînée, vous a dit quelques mots. Ils sont venus de Londres. Il y a Nissa qui est accompagné de son mari, Johnny Fox. Il y a Christian, le fils du pasteur Charles. Il y a Pat, qui est le mari de Billy, le deuxième. Donc c'est la délégation qui est venue de Londres pour accueillir leur papa. Moi, je suis venu de Paris, accompagné par un collaborateur du pasteur Charles, qui s'occupe des médias. Le frère Edgar qui est ici. Et je veux dire un grand merci à tous ceux qui sont en France, qui ne sont pas venus avec nous, parce que le pasteur Charles décidait à Paris, comme vous le savez. Et nous avons fait de notre mieux pour ramener sa dépouille. Nous nous sommes battus. Je me suis donné comme mission qu'à moins de 10 jours, que je ramène les corps de mon frère à Kinshasa. Et Dieu, le Dieu de cet homme-là, péché, il m'a toujours dit, Jean-Marie, tout est possible, c'est lui qui croit. Et le dernier dimanche où il a péché, vous savez que c'est son mort 5-6 jours après avoir un très très beau message sur la bénédiction du Père. Il a dit, approchez mes enfants, je vais vous bénir. C'est même lorsque le médecin, j'étais en face du médecin, m'a annoncé que mon frère est parti, c'est là que j'ai compris que il voulait vraiment me bénir. Et il a toujours, il a dévoué sa vie pour le Seigneur, il a dévoué sa vie pour son ministère qui est l'Église sur le pas de Jésus. Mes amis, j'ai acheté un terrain à Tremblay en France pour accueillir le patriarche Charles. Tout était entamé des démarches. Mais l'adjoint au maire m'a appelé sur mon téléphone pour me dire, monsieur Lessi, je dois vous le dire, il n'y aura que 30 personnes à la salle et 30 personnes pour l'enterrement de votre frère. Je dis, mais ce n'est pas possible. Cet homme a dédié toute sa vie pour servir Dieu. Cet homme a servi Dieu d'un cœur net et vous voulez qu'on puisse l'enterrer dans l'anonymat la plus totale. Ce n'est pas possible. Si même je dois porter le cercueil sur ma tête pour courir jusqu'à la ville, je vais le faire. Et j'ai posé la question à mon frère Roger, il m'a dit, Jean-Marie, je te donne le feu vert, ramène le corps de ton frère. Maman Rose m'a dit, Jean-Marie, je te donne le feu vert, ramène le corps de ton frère. Maman Chantal m'a dit, Jean-Marie, je te donne le feu vert, ramène au pays le corps de ton papa. David à Londres, les enfants m'ont appelé, ils m'ont dit, tonton, on te donne notre feu vert, ramène le corps. Papa, et puis pour un enterrement, pour que son église, pour que ses enfants.
nous avions présenté que les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, des familles, mais ce n'était pas terminé. Il y a aussi d'autres qui sont parmi nous, qui servent aussi les seigneurs, dont nous ne voulons pas passer sans pour autant les présenter également. Nous avons deux qui sont avec nous, maman Charlotte et maman Arlette, qui peuvent se lever. Elles sont aussi des servantes de Dieu. C'est le produit du patriarcat de l'Église. Merci que le Seigneur vous bénisse. Et d'autres ne sont pas là. Ils sont là. À présent, bien-aimés, vu le temps qui nous est imparti, nous voulons passer au réveillement. Pas tout le monde vit le temps. Juste là où on va s'arrêter, on dit bon stop, il est temps, on veut aller au cimetière. Mais nous allons procéder comme ça. On commence par les honorables députés et sénateurs présents dans cette salle, suivis des éminents hommes de Dieu parmi nous, et après le. Ceux qui sont présents peuvent aussi passer. Donc on commence par les éminents, les honorables députés et sénateurs. On passe en deuxième lieu par les hommes de Dieu. Après, c'est la famille d'abord qui va passer. La famille va passer en troisième lieu avant que les autres ne puissent passer. Vu le temps qui nous est imparti. L'orchestre, le fait désirer que l'orchestre que tu as aligné peut nous agrémenter. Surtout, il y a des loges. On commence, comme je l'ai dit, par les éminents honorables députés et sénateurs, les éminents serviteurs et servantes de Dieu, représentants légaux des églises. Ensuite, la famille. Yes, sir.
Thank you.
ministère du ministère sur le nom de Jésus, après la main cachée, l'église a généré tabernacle, révélation, une révélation seulement, mais passé rapidement et après. Merci.
Kawa, il connaît la loi. Nous tout ensemble, moi il m'a sauvé. Yeah.
Papa, voilà la famille.
Come on, come on.
Let's go.